le point sur ce qu'on a envie, on avait envie de dire, nous, par rapport à la situation, par rapport au contexte politique, social, au cadre qui était donné là après, voilà, dans la situation, après les primaires des uns, des unes et des autres. Donc c'est Philippe qui va commencer. Donc ce matin, il y aura donc Philippe Poutou, notre candidat, Christine Poupin, porte-parole de campagne, et moi-même, Arlène Pertus, porte-parole de campagne également. Voilà, je te laisse la parole. On va partir de l'actualité d'hier soir, toute fraîche, hein, donc ça fait beaucoup discuter. La victoire d'Hamon et surtout Valls qui est écarté. Nous, la première réaction qu'on a, c'était de dire c'est le petit plaisir qu'on ne va pas bouder. C'est Valls qui symbolise toute la politique antisociale, très dure contre nous pendant des années. Toute la politique de Hollande, il se fait écarter, tant mieux. Après, ce qu'on a envie de dire, c'est que Hamon, pour nous, c'est pas une solution. Il a la posture de gauche, certes, il s'est démarqué comme il a pu du bilan de Hollande, mais en réalité, on voit bien que ça va être le porte-parole du Parti Socialiste, et quelque part, donc, en assumant quand même pas mal d'aspects de toute la politique de Hollande. Et on voit aussi à côté de ça cette idée qu'il faudrait réunifier la gauche, qu'il faudrait recoller des morceaux, et avec l'appel de Hamon, donc Jadot, qui concerne Jadot et Mélenchon. Nous, on a envie de dire que si le Parti Socialiste est en train de se casser la gueule ou de s'émietter, nous, on ne va pas être nostalgique, on ne va pas chercher à le rafistoler. On pense qu'il y a, au contraire, une urgence à répondre d'une manière complètement différente. Nous, on pense qu'il faut, poser les problèmes de comment la population, comment les travailleurs se défendent aujourd'hui face aux politiques libérales. Et donc, ça veut dire en rupture avec cette gauche gouvernementale, cette gauche institutionnelle. Donc c'est le problème qui est posé d'une part avec la lutte sociale. De toute façon, l'issue des élections, ça sera visiblement une victoire d'un candidat libéral ou ultralibéral, parce que quand on est du Fillon empêtré dans ces histoires de triche au niveau des emplois fictifs, que ce soit Macron ou l'extrême droite avec Le Pen, on sait qu'il y a un gros danger pour l'ensemble de la population. Donc il faut qu'on se défende, il faut qu'on se batte. Donc c'est ça qu'on a envie de dire. On a envie de dire qu'il y a besoin de construire un outil politique, un parti qui soit celui des exploités et des opprimés. Et que donc, du coup, forcément, c'est une réponse à l'opposé de ce qu'on voudrait nous faire croire comme incontournable, c'est-à-dire la reconstitution ou le sauvetage d'une gauche qui est en train de se casser la gueule. C'est ça. Puis après, à côté de ça, c'est aussi un programme en rupture avec le capitalisme. Voilà, on veut aujourd'hui le revenu universel défendu par Hamon ou... en enlevant tous les côtés pas clairs, tous les côtés bricolés de ce qu'il est en train de dire, parce que ça faisait vraiment la posture pour se démarquer du PS, enfin du gouvernement actuel, de la politique qui avait été menée. Mais nous, on pense que ça répond en rien, quoi. 700 euros, de toute façon, c'est complètement indécent, c'est pas vrai, on peut pas vivre avec ça. Donc après, c'est aujourd'hui répondre au drame du chômage, de la précarité, c'est au minimum l'interdiction des licenciements et puis une réduction massive du temps de travail. Et c'est dans l'idée de répartir le travail entre tous. Et puis, c'est augmenter les revenus de tout le monde. Et le revenu décent, pour nous, c'est un SMIC, mais le SMIC que nous, on revendique, c'est-à-dire celui au moins à une hauteur de 1700 euros net. Donc tout le reste, c'est faire semblant. Et donc derrière, évidemment, c'est la question de s'affronter aux possédants. Parce que l'argent existe. C'est un peu bizarre des fois la discussion. C'est que tout le monde se dit, mais comment on peut financer une politique sociale? Il suffit de regarder là où l'argent se trouve. Dans la poche des milliardaires, des grosses fortunes, du côté des actionnaires, où on voit que ça explose dans leur sens à eux. C'est-à-dire 57 milliards distribués aux actionnaires. Des profits qui augmentent, des revenus de dirigeants complètement dingues. Hein, de moyenne de 3,5 millions hein, pour parler des 100 plus grosses sociétés en France. Donc tout ça, c'est inadmissible. Et on voit que le pognon est là. Le pognon est aussi tout simplement dans l'arrêt des exonérations de cotisations sociales. Le pognon, il est aussi dans tout ce système de fraude et d'évasion fiscale. Donc voilà, il y a les moyens largement de financer une politique qui répond vraiment aux besoins des gens. Donc nous, on répond aussi sur ce terrain-là. Donc c'est un affrontement à la classe des possédants, à la classe des capitalistes. Et c'est ça qu'on veut mettre en perspective. Donc c'est pour ça que nous, la perspective, c'est la question des luttes sociales et la construction d'un outil politique qui soit... le nôtre, celui des exploités, des opprimés, et qui permettent de préparer les luttes et puis de discuter tout ça et de mettre en avant justement une perspective anticapitaliste. Tu t'arrêtes sans prévenir alors. Voilà, donc je propose que Christine enchaîne. Non, mais si on veut prendre un peu de recul, enfin de distance par rapport à la situation, parce que là, bon, on termine
la séquence des primaires, bon, ça, ça a bien occupé l'espace, Philippe a dit, bon, mais on reste dans une situation qui est quand même une situation qui est marquée par une offensive réactionnaire assez extraordinaire. Alors bon, y compris les réactionnaires ont leurs problèmes, mais c'est leurs problèmes, des vrais problèmes de réactionnaires, d'emploi fictif, machin, etc. On ne sait pas comment cette affaire va se terminer et comment ça va se jouer entre l'extrême droite de Marine Le Pen et la droite extrême de Fillon. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un danger, qui est un danger réel, hein, il y a qu'à voir, et qu'il faut prendre au sérieux les politiques réactionnaires qui sont annoncées. La meilleure preuve, c'est quand même Trump. Et quand on regarde les mesures qui viennent d'être prises, bon, il y en a une tous les jours. En fait, il y en a même plusieurs par jour. Bon, ce qui est réconfortant, c'est la réaction, la mobilisation qui fait face à ça. Hein, la question effectivement des migrants, mais c'est vrai sur la question du climat, c'est vrai sur la question de la santé, etc. etc. Donc ce danger-là, il est réel. Donc il ne faut pas qu'on regarde juste les choses comme ça. C'est vrai qu'on est content, on ne va pas bouder notre plaisir. Le rejet qu'on connaît, qui était le rejet contre la loi travail, qui se traduisent là par, y compris, bon, parce que c'est quand même dans les gens qui sont allés voter à la primaire du PS. Au-delà du PS, mais pas beaucoup. Mais même dans les gens qui sont allés voter, il y a une volonté d'en finir avec cette politique-là. Mais c'est une partie du chemin. Maintenant, ce qui est clair, c'est qu'on sait que ces espèces de politiques de moindre mal, elles ne sont pas un rempart par rapport aux menaces réactionnaires qui sont extrêmement fortes. Et c'est tout le sens de notre présence, c'est tout le sens de notre bagarre pour être présent dans ces élections, pour avoir les signatures et pour pouvoir faire entendre les réponses qui nous semblent à la hauteur, qui sont des réponses de rupture avec ce système. Il n'y a pas d'arrangement. Il n'y a pas d'arrangement, c'est-à-dire soit c'est des politiques encore plus brutales, soit c'est effectivement des politiques qui rompent avec la logique de ce système. Et c'est pour ça qu'on a peut-être un petit peu aussi envie d'insister, par exemple, sur une mesure qui est pour nous complètement emblématique, qui est la question du partage du travail, de la réduction massive du temps de travail, qui c'est pas la seule chose qu'on ait dans notre programme, mais c'est essayer de faire entendre qu'on pourrait peut-être pour une fois prendre les choses par notre bout à nous, par le bout de ce qui nous préoccupe nous. Bon, et ce qui nous préoccupe nous, ce qui préoccupe les jeunes, les salariés, les chômeurs, c'est cette question du chômage de masse, de la précarité et de la dégradation des conditions de travail et de vie que ce rapport de force dégradé permet. Donc, attraper par notre bout, c'est dire on veut travailler moins, on veut travailler toutes et toutes, on veut travailler moins durement, on veut arrêter avec la souffrance au travail, et pour ça, il n'y a pas 36 solutions, c'est la baisse radicale. Du temps de travail. C'est pas attendre les cadeaux aux entreprises qui vont donner des effets, qui un jour donneront de l'emploi. On sait que ça ne marche pas. Et donc c'est vrai, et il a un petit peu raison, c'est un autre mode de société, oui, on assume, hein, une société du farnienne, comme il dit, lui, il le dit avec mépris. Mais quand on a plus de 5 millions de chômeurs, la question est effectivement celle du partage du temps de travail. Nous, on voudrait que ce débat-là, il s'impose. Parce que ça dessine effectivement une rupture avec le mode de fonctionnement de ce système qui nous fait croire que travailler toujours plus, produire toujours plus, c'est ça qui va permettre à ceux qui vivent le plus mal de vivre mieux. C'est pas vrai. Plus on fait ça, plus les inégalités se creusent. Les derniers chiffres qui sont tombés, qui sont ceux qui ont été sortis par Oxfam, hein, 8 hommes au monde possèdent autant que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Et ça s'aggrave à chaque fois. Donc il faut arrêter, il faut repartir dans l'autre direction. C'est ça qu'on a envie de dire, nous, à ce moment-là. Mais pour ça, il faut qu'on y soit. Justement, vous en avez dit. On approche de la moitié. C'est-à-dire, c'est un peu... Des parrainages. Ouais, ça a un peu... voilà, on peut décoller là,
dans les deux dernières semaines, parce que nous, ce qu'on veut, c'est, enfin, c'est important que nous, on puisse dire ce qu'on a à dire. Mais le fait qu'on ne puisse pas le dire, c'est un problème politique. C'est un problème démocratique en tant que tel, et c'est ça qu'on a envie de faire entendre. De faire entendre aux maires, puisque au bout du bout, c'est quand même eux qui ont la clé. Enfin, le sésame. Vous pouvez me parler bien le chiffre exact de... Ça, c'est trop compliqué. Parce qu'en fait, on est toujours dans un flux. Entre les annonces, les trucs qui arrivent et les trucs qui sont arrivés, c'est compliqué d'avoir le chiffre. Parce qu'on a une part de formulaire donc signé, mais après on a des promesses verbales, parce qu'il y en a qui pensent que ça sert à rien de remplir un papier, tout ça, donc du coup on est sur l'approximation forcément, et puis on remonte les chiffres du département, donc ça c'est au jour le jour, on reçoit un peu de la poste, donc voilà, donc c'est vrai qu'un chiffre précis, on a du mal à le dire, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément très acquises, donc voilà, on fait gaffe à ça, donc on est prudent, mais voilà, l'idée c'est ça, c'est qu'on approche de la moitié, et qu'il nous reste une grosse moitié à obtenir, quoi. Et qu'on sait qu'on a du boulot, mais on rentre dans la période qui a priori est la moins compliquée, parce que on s'approche de... Il y a beaucoup d'élus qui ont hésité, enfin, qui nous ont dit qu'ils attendent. Là, la primaire du PS est passée, donc alors on espère que ça va se débloquer, et qu'on est en tout cas dans les délais pour rattraper le retard qu'on a depuis... Enfin, par rapport à 5 ans, on a un petit retard, quoi, donc... voilà. Mais l'objectif, évidemment... Vous avez combien de temps d'âge, il y a 5 ans ? 572. Et là, vos pronostics, n'est-ce pas ? Ah ben non, on pronostique les 500, mais après, là, on sait que quand... enfin, voilà, il faut qu'on... à la limite, 500, ça nous va. Hein. Enfin, 500 ou même 500, parce que 500, c'est... Donc sur un an... C'est trop près de 490. On veut une marge d'au moins 1, quoi, 500. Hein. Sur un an, vous ne boudez pas votre plaisir. C'est surtout la défaite de Valls. En vrai, c'est surtout la défaite de Valls qui nous fait plaisir. Il y a quand même certains points que vous partagez avec lui, notamment parler surtout de réduction du temps de travail, ce que dans son programme, le burn-out dans son programme. Moi, je viens répondre un peu, dans la lignée de ce qu'ont dit mes camarades, mais. Je crois que ce week-end, on a assisté quand même à une certaine indécence de la part du PS, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'en fait, nous, on est une bande d'amnésiques et qu'on va oublier ce qui s'est fait pendant 5 ans. Donc Valls a voulu nous faire le coup en pensant qu'on allait oublier qu'il avait fait passer sa loi de travail à base de 49-3, à base de garde à vue à gogo, à base de litres et de litres de gaz lacrymogène, de manifestants réprimés. Et puis Hamon, il essaye de nous faire croire aussi qu'il pense qu'on a oublié qu'il a été ministre et que sous son ministère de tutelle, il s'est mis dans la foulée de son prédécesseur qui était Payon, qui lui-même, à aucun moment, n'a renié la politique de casse du service public d'éducation nationale, donc de suppression des postes, de remise en cause de l'éducation prioritaire. Et là, je fais juste un petit coucou aux collègues grévistes des lycées d'éducation prioritaire qui, depuis des mois, sont mobilisés. Pour lesquels il n'a pas eu un mot de solidarité. Peut-être que son premier geste, ça pourrait être de cotiser à la caisse de grève. Et petite publicité entre guillemets, ses collègues ont lancé un avis de recherche parce que depuis des mois, ils demandent à être reçus par leur ministre de tutelle, Najat Vallaud-Belkacem, qui ne daigne absolument pas leur répondre, si ce n'est pour leur dire « soit on sera réélu et puis on verra ce qu'on fait avec vous, soit bah, vous verrez avec la prochaine mandature ». Et ça, on ne l'oublie pas. Donc, il y a tous les programmes, mais tout ce monde-là, il a déjà été mis en action. Il a déjà fait preuve de ce qu'il était capable de faire au soi-disant camp social qu'il était en train de défendre. Donc nous, c'est un peu ça qu'on a envie de dire aujourd'hui. Nous, non seulement on n'oublie pas, le frère d'Assa Traoré, on n'oublie pas la politique dégueulasse anti-ouvrière qu'a fait ce gouvernement, on n'oublie pas la condamnation des Goudières qui est tombée il n'y a pas longtemps, on n'oublie pas Florange, mais on n'oublie pas non plus que la mobilisation contre la loi travail, ça a été notre premier tour de chauffe. Et ce qu'on a envie de dire aujourd'hui, c'est que le premier tour social, il n'est pas pour dans des mois. Nous, c'est maintenant qu'on a envie de le préparer. Et que notre camp social, celui de la jeunesse, celui des salariés, il n'attend pas, béatement, planté devant les primaires, que ça se passe. Aujourd'hui, il y a des jeunes sur les facs qui sont en train de se bagarrer contre la fusion qui va augmenter drastiquement les frais d'inscription, qui va faire disparaître des filières entières, qui va jouer encore la sélection. Il y a les enseignants des lycées Z qui sont en train de se mobiliser pour ne pas sortir d'éducation prioritaire. Ils ne demandent pas, la lune, hein. Ils ne demandent pas je ne sais pas combien de millions comme Pénélope Fillon dans des emplois fictifs. Parce que nous, on a envie de s'adresser à ceux et celles qui usent réellement leur vie tous les jours pour des salaires de misère, hein, et qui se battent au quotidien, qui se battent. Donc
Là, il ne se passe pas rien. Il y a des perspectives avant le premier tour. Il y a les salariés de Pôle emploi qui appellent d'ores et déjà à la grève les 6 et 7 mars. Et nous, en réalité, ce qu'on a envie de faire aujourd'hui, comme ce qu'on a fait au moment de la loi travail, mais un cran au-dessus, c'est dire notre camp social à nous, les salariés, la jeunesse, il faut qu'on y soit tous ensemble, au même moment, à la même heure, et leur dire vos promesses, vos primaires, tout ceci, tout ce cirque électoral. En réalité, à aucun moment, on a devant nous des gens qui veulent nous apprendre la vie, qui veulent nous dire comment on va régler nos vies, mais qui en réalité, au quotidien, font tout pour qu'on n'arrive même plus à sortir la tête de l'eau. Et c'est pas vrai que dans ce pays, il n'y a pas des milliers, des millions de salariés et de jeunes qui se battent pour redresser la tête, justement, pour regagner en dignité. Et ça, ce qu'il faut qu'on arrive à le faire, c'est le faire tous ensemble. C'est ça qu'on a envie de dire dans cette campagne. Et alors franchement, on n'est pas trop nombreux. C'est pour ça qu'on essaye d'arracher les signatures avec les dents. C'est parce qu'à part Nathalie Arthaud, franchement, qu'est-ce qui se passe qui se place dans un autre cadre que celui des institutions? Qui est-ce qui ne fait pas croire qu'on n'a rien à attendre d'institutions qui ne sont pas faites par nous et ni pour nous? Donc c'est ça qu'on a envie de dire, c'est pour ça qu'on a envie de, bah, d'aller au charbon, quoi. Vous n'avez pas du tout discuté avec l'enfant, c'est pas, c'est pas au programme, mais c'est pas au programme pour eux non plus. Enfin, visiblement, ils sont, il y a une sorte de famille, ils se retrouvent dans la famille, donc c'est pas la nôtre. C'est, on est sur une autre perspective, on veut bien discuter évidemment parce que les points politiques à la gauche sont posés, et justement c'est un peu ça qu'on veut mettre en avant dans cette campagne-là, c'est qu'il y en a qui pensent qu'il faut absolument reconstruire une gauche qui a sans cesse trahi ou qui a sans cesse renié ses idées. Donc il y a cette perspective-là, et nous à côté on en défend une autre, qui est celle justement des mobilisations sociales et d'un parti à construire pour les luttes, donc de rompre avec les institutions, de rompre avec ce système-là, de s'affronter, d'affirmer qu'il faut s'affronter aux banquiers, aux capitalistes, parce que là encore une fois, Hamon, c'est vrai que c'est ce que dit Armel, c'est quand même un peu facile aujourd'hui, après avoir mené une politique pourrie, d'avoir attaqué la population, démantelé les services publics, avoir même Fessenheim, tout ce qu'ils disaient contre le nucléaire, ils n'ont rien fait. Et donc c'est facile aujourd'hui d'arriver et de dire, écoutez, ben moi je suis un peu la gauche, donc on va quand même pas rentrer, se faire avoir encore une nouvelle fois, et Hollande avait fait ça en 2012, hein, on va la finance, c'est l'adversaire et tout ça, bon, c'est toujours pareil. Donc là, il faut discuter sérieusement de comment on répond au drame aujourd'hui du chômage, de la précarité, enfin des services publics qui sont complètement démantelés. Donc oui, il faut affirmer, l'argent il existe, il faut le prendre dans la poche des riches. Donc oui, c'est un affrontement entre le camp d'en bas et puis les possédants. Et ça, il faut. Et tous ceux qui vont dire, bricoler, regardez, on peut très bien donner 700 euros à quelques personnes pour. Non, ça c'est du pipeau. Donc nous, c'est ça. Alors d'une certaine manière, c'est pas qu'on refuse de discuter avec Mélenchon ou qu'on refuse de discuter avec des gens qui se disent de gauche. C'est que de fait, il y a deux perspectives différentes, deux orientations différentes, et autant que nous, on puisse la défendre dans cette campagne-là. Et de ce point de vue-là, on n'est pas hors sujet. On n'est pas en train de. Parce que c'est vrai que pour nous, l'élection, c'est une tribune. Mais c'est aussi l'occasion de poser les problèmes de la société qu'on veut, les problèmes de la démocratie et du pouvoir. Donc eux, il y a un pouvoir aujourd'hui qui est entre les mains des possédants. Entre les mains, on voit bien le monde politicien qui, lui, est plutôt au service de ce camp-là, et nous, on voudrait discuter d'un pouvoir entre les mains de la population. Donc c'est pour ça qu'on discute aussi de la question économique, de l'expropriation de secteurs entiers de l'économie, ou de l'enlever des mains des capitalistes, et d'arriver à faire qu'il y ait quelque chose qui fonctionne au service de la population. Donc forcément, il y a une rupture. Et nous, on est là-dedans. Donc après, on verra bien, mais au moins qu'on puisse défendre cette perspective-là. Et puis, et s'il y a un débat entre l'orientation Mélenchon ou l'orientation Hamon et la nôtre, mais tant mieux. Voilà, nous, on pense que la solution, c'est ça. C'est prendre nos affaires en main. Voilà. Et ras-le-bol, évidemment, ces politiciens qui ont toujours la prétention de nous représenter. Et eux, ils vont dire, regardez, on a les bonnes idées, on va faire ceci, cela, sauf que les bonnes idées, ce sont leurs idées qu'ils ont mises en pratique et qui se traduisent par une explosion du chômage, par une dégradation des conditions de vie. Donc on ne voit vraiment pas pourquoi on continuerait encore dans cette voie-là. Le revenu universel, ça change quand même, c'est tout nouveau dans le débat. Est-ce que là, vous dites que pour Hamon, c'est une posture, mais est-ce que c'est pas quelque chose que vous défendriez notamment? Nous, on est tout à fait preneurs du débat sur le fond, sur cette histoire de revenu universel. La question est encore de savoir de quoi on cause. Bon. C'est-à-dire avec les questions essentielles qui sont à quel niveau et payer comment. Bon, c'est les questions sur lesquelles les choses sont loin d'être claires. Il y a un présupposé, en tout cas dans ce que dit Hamon, qui est de dire, mais de toute façon, il n'y aura pas de travail pour tout le monde,
Donc il faut se résoudre d'une certaine façon, il faut se résigner à une société où il y a un chômage de masse, et donc il faut trouver des solutions. On dit ça, c'est cul par-dessus tête. Il faut commencer par se poser le problème de la réduction massive du temps de travail, du partage du travail. Est-ce qu'on imagine durablement une société coupée en deux, coupée en trois, avec des têtes, bon, c'est pas... ça va pas, c'est pas un projet de société, ça. Donc ça c'est cul par-dessus tête. Par ailleurs, il y a un vrai problème du fait que chacun, chacune ait les moyens de vivre et de vivre dignement. Bon, c'est quoi le niveau? Bon, est-ce qu'on peut vivre avec moins que le SMIC? Nous, on considère déjà que le SMIC, c'est pas assez. Bon, est-ce qu'on peut vivre avec moins que le SMIC? Donc, quelque chose qui serait un revenu qui permet... Parce que c'est... Il y a la promesse un petit peu qui est derrière cette affaire-là, c'est les moyens de vivre dignement pour toutes et tous. Donc ça ne peut pas être inférieur au SMIC. La réponse à ça, elle existe, elle est celle de la continuité du salaire. Et c'est que ce soit quand on est jeune... qu'on fait des études, que ce soit quand on est à la retraite, que ce soit à n'importe quel moment de sa vie, quand on ne peut pas travailler, soit parce qu'on est privé d'emploi, il faut assurer ça. Qui paye? Il n'y a pas 36 solutions. Pour payer, c'est soit sur les salaires, soit sur les profits des entreprises. Il n'y a pas à tortiller. Toutes les solutions qui, d'une certaine manière, sont des solutions qui font payer par des impôts, sont des choses qui reposent au bout du bout sur les salariés eux-mêmes. Donc c'est une espèce de partage. Partagez-vous la misère entre vous. Nous on dit la réponse à ça, c'est aussi un peu une vieille solution, mais qui a quand même fait ses preuves, qui est la solution de la protection sociale, qui est payée effectivement par les cotisations patronales. Pour nous, c'est une conception d'un salaire qui est dû à toutes et tous dans la société, qui lui donne les moyens de vivre, quels que soient ses accidents de la vie ou pas ses accidents de la vie, parce qu'on a des moments différents dans la vie. Il y a un moment où on se forme, il y a un moment où on est vieux et fatigué, ou le moins vieux possible et le moins fatigué possible, parce qu'on a bien le droit de se reposer et d'être à la retraite. Voilà, on pense, c'est une sorte de fausse bonne idée, et c'est une promesse... C'est une promesse qui n'est pas tenue quand on dit ce revenu universel, parce que ça permet effectivement pas de... Alors avec après plein de pièges, qui sont des vrais pièges libéraux, c'est-à-dire un machin rikiki qui permet effectivement encore de tirer les salaires vers le bas, puisque, bon, ben, puisque vous avez ce truc rikiki, votre salaire, ça va être simplement le complément. Et c'est encore quelque chose qui va tirer les salaires vers le bas. Bon, plus le fait que, pour une part, c'est aussi présenté comme solde de tout compte de tout le reste de la protection sociale. Donc c'est le rêve des capitalistes, la mise à mort de la protection sociale. Nous, on défend exactement l'inverse, l'extension de la protection sociale. Et c'est vrai que, étant de ça, c'est faire rebouger dans le bon sens le partage des richesses produites du côté des salariés dans leur ensemble, quel que soit l'âge et la situation de leur vie. Mais on est preneur de ce débat-là, donc, pour aller sur le fond. Puis, je vais juste dire un truc sur nous, on est pour se retrouver avec tout le monde sur les questions essentielles. Hein, tous ceux qui prétendent défendre... on va dire des valeurs de gauche ou je ne sais quoi. Il y a une question qui est une question essentielle parce qu'elle fracture la société. Elle a été usée jusqu'à la corde par les gouvernements, c'est le racisme. Il y a la préparation d'une manifestation nationale le 19 mars contre le racisme et contre les violences policières. Bon, c'est vrai que Hamon a un discours un peu moins antipathique que celui de Valls sur la question. Mais là, tout de suite, c'est pas ça la question qui est posée. La question qui est posée, c'est est-ce que dans cette campagne dont on voit bien malgré tout que le fond de racisme et de fracturation de la société que ça représente, il sera omniprésent. Bon, c'est d'affirmer dans la rue le refus du racisme, la défense de l'égalité des droits, la défense de l'accueil des migrants, un accueil digne de la liberté de circulation et d'installation.
il faut qu'il y ait cette expression qui parte de la rumeur. Là, on est, nous, on est prêts à discuter avec tout le monde pour faire la réussite de ça, parce que ça changerait un tout petit peu le climat quand même, qu'il y ait ça. Qu'est-ce que vous pensez de la tentative d'Anne, justement, de dialoguer avec Jadot et Mélenchon? Qu'est-ce que vous pensez de ce futur entre ces deux? On pense rien, c'est leur problème, visiblement. Enfin, ils sont tous issus du PS, ils ont tous collaboré à un moment donné ou à un autre. Bon, ben, visiblement, nous justement, on veut défendre autre chose. On défend pas l'idée que le PS, il faut le rapistoler, il faut le sauver. Nous, ça fait longtemps, et on est quand même candidat, notre courant est candidat au présidentiel à chaque fois, même y compris contre le PS, pour dire que c'est la solution, c'est pas le PS. Il a fait croire, mais même aujourd'hui, c'est malheureusement spectaculaire, il a fait croire que c'est lui qui nous préserverait de la droite et de l'extrême droite. Et malheureusement, c'est le PS qui, à chaque fois, permet le retour de la droite et même l'essor et le développement de l'extrême droite. À force de renier, de trahir, de tromper, d'envoyer la police, de virer les sans-papiers, de démanteler les camps des Roms, enfin d'aller complètement sur le terrain des pires réacs, ils ne font que renforcer le camp adverse. Donc oui, évidemment, nous, ce qu'on dit, c'est que eux, ils sont en train de se casser la gueule. Donc évidemment, ils essaient de serrer les coudes, mais ce n'est pas notre truc. Nous, notre truc, à nouveau, c'est de défendre cette idée qu'il faut qu'on prenne nos affaires en main. Voilà, on ne veut pas sauver le PS. Donc vous les considérez un peu tous les trois dans le même camp. Mais c'est eux qui se considèrent dans le même camp, ce n'est pas nous qui faisons l'appel. C'est Hamon qui s'adressait à Mélenchon, il n'a pas dit Poutou, Artaud. Donc ce n'est pas nous qui, nous, on discute qu'effectivement, il y a quand même deux orientations différentes. Et on défend la nôtre, et on espère pouvoir la défendre, y compris dans le présidentiel. Oui, on pense qu'il faut construire un parti qui soit le parti des exploités et des opprimés. Et que donc, du coup, discuter des luttes sociales, c'est pas les élections qui changent la vie. Ça fait un moment qu'on saurait si c'était le cas, avec toutes les élections qu'il y a eu, quand même. Et à chaque élection, chaque gouvernement, il mène à peu près la même politique, ça s'aggrave, ça va tout le temps dans le même sens. Et pour revenir juste sur la question du revenu universel, enfin, franchement, c'est se foutre de la gueule du monde qu'aujourd'hui de le placer comme il le place. Quoi, parce que l'idée au départ soit sérieuse, parce qu'évidemment, ça se discute depuis un moment, et puis ça s'est discuté, y compris pendant le mouvement contre la loi travail, dans les Nuits debout, tout ça, l'idée d'une protection sociale, le fait que n'importe qui puisse être assuré d'avoir un revenu, y compris quand il y a des licenciements ou quand un jeune n'arrive pas à trouver du boulot, donc ça paraît normal, ça c'est une vraie idée de gauche, on va dire. Mais lui, il la pose d'une manière... c'est trop facile de faire comme il fait, parce qu'en même temps, Vivarte licencie, en même temps, Whirlpool ferme, que sont faits par rapport à ça? Il y a combien d'entreprises liquides, combien de services publics liquident des emplois? Et puis là, on discute juste d'un petit revenu de 700 euros, alors qu'en ce moment, il y a une machine infernale capitaliste qui licencie, qui broie des gens, qui condamne des gens à la misère. Il y a des gens mal logés, des gens qui ne peuvent pas se soigner, puis il nous sort un truc comme ça, mais ça ne correspond pas du tout. Là, c'est vraiment faire semblant. C'est vraiment le truc, regardez, vous voyez, je suis un peu de gauche. Ben, nous, on ne marche pas dans la combine. Donc évidemment qu'il y a d'autres réponses, et les autres réponses, c'est à un moment donné d'être capable de dire « Ah ben ouais, il y a du pognon par là, ben tiens, on va aller le voir. » Et encore par hasard, le pognon qui est par là, c'est le PS qui l'a donné. Parce que les 20 milliards du CICE à distribuer comme ça au patronat et qui continue à supprimer les emplois, c'est un peu... Donc il faudrait quand même aussi discuter de ça. Et à un moment, évidemment, il fait comme si il était pour rien, il fait comme si ça n'existait pas, tout ça. Donc ouais, nous on peut le dire, il y a quand même quelque part, on se fout du monde. Les réponses, elles sont à un tout autre niveau. Ouais, puis qui nous explique quand même comment on vit avec 700 euros. Quoi. Parce que serrer la ceinture, ça, en fait, la majorité d'entre nous, elle sait déjà le faire, elle le fait au quotidien. Donc, qui nous explique sur quoi on grappille un peu plus et comment on vit avec 700 euros. Bon, c'est même pas... voilà, je sais pas, c'est peut-être ça l'interpellation qu'on devrait lui faire, quoi. Au-delà du financement, je veux dire, tout à chacun, aujourd'hui, on n'est même plus en mesure de compter le nombre de zéros par rapport aux millions et aux milliards qui sont brassés, de capitaux qui sont brassés. Donc... aujourd'hui, je crois que c'est les démonstrations, elles sont assez claires sur le fait que du fric, il y en a. Quoi. Nous, la démonstration qu'on veut faire, c'est comment on va le récupérer, par quels moyens on va le récupérer. Et ça, c'est clair que ça passera que par un mouvement d'ensemble, que par une convergence des luttes, que par une grève générale. Il n'y aura pas d'autre moyen. Si le gouvernement il a un petit peu vacillé l'année dernière, c'est parce qu'à un moment donné, il s'est dit « Ah la vache, s'ils commencent à s'y mettre tous ensemble, là, ça commence à sentir le sapin. » Nous, c'est ça qu'on a envie de renforcer. Ce n'est pas le retour à leur ordre capitaliste. Et effectivement, Philippe a raison, ce n'est pas nous qui faisons les catégories, mais force est de constater que tout ce beau monde-là, ils défont systématiquement le retour à l'ordre. On va retourner dans les clous, dans cette société capitaliste. Ils sont tous à la défendre d'une manière ou d'une autre. Ben, nous, on a envie de dire non. Nous, on a envie de rompre avec ça. Et effectivement,
c'est pas de la poudre aux yeux et des postures de revenu universel, parce que universel, ça fait humaniste, quoi. Et tout de suite, quand on dit bah, l'humanisme, ce sera 700 euros dans ta poche tous les fins de mois, tu vas voir comment c'est facile de vivre avec ça, là, tout de suite, ça nuance un petit peu, quoi. Voilà, tout de suite, ça fait un petit peu... Il y a un décalage, quoi, voilà, entre peut-être l'humanisme des propos et puis la réalité des prix quand on est salarié ou bien qu'on est sans emploi. Au niveau des législatives, des sujets, vous avez investi des candidats. C'est toujours d'après. Ah ouais, là c'est la présidentielle dedans. Ça nous prend beaucoup d'énergie, de temps et d'énergie d'arracher la présence à la présidentielle. Donc ça c'est notre archi priori. Ah, on n'a pas la moyenne de tout faire, ça c'est sûr. Donc là c'est le parrainage, c'est beaucoup de. L'énergie, ça absorbe, voilà. On ne peut même pas faire une campagne normale tant on est pris dans la course au parrainage. Et évidemment, ça dépendra si on arrive à être candidat à la présidentielle, ça nous mettra dans une position plus facile, plus favorable pour. Mais là, pour l'instant, on n'est même pas. En plus, bon, c'est pas compliqué, on n'a pas besoin de 3 mois pour discuter. Si on a les moyens de le faire et tout ça, ça se vit. On n'est pas en train de parlementer avec les uns et les autres, comme on voit souvent, à essayer de positionner un candidat dans telle circonscription. Alors, on n'est pas dans ces histoires-là. Donc, une fois qu'on est prêt, on aura du temps pour se mettre en place. Mais là, c'est vrai que c'est la présidentielle. Concrètement, la pêche un peu au parrainage, parce que par téléphone, du coup, par déplacement. Par déplacement, quasiment comme ça. Alors après, le coup de fil, ça peut aider à vérifier à l'avance s'il y a des permanences et tout ça. Donc mais c'est les déplacements. Après, on peut concrétiser ou continuer la discussion par téléphone, mais on ne peut pas démarrer par téléphone, c'est pas ce que c'est comme ça. Il y a beaucoup de choses, et c'est pour ça qu'on est peut-être, même d'ailleurs, il n'y a pas grand monde qui font comme ça, mais c'est vrai qu'on n'est pas nombreux à être, obligés de faire ça, parce qu'en fait, les autres partis sont des élus, hein. Ils n'ont pas besoin d'aller les chercher. C'est vraiment une loi antidémocratique, parce que par exemple, là, à Mont, il a besoin de rien faire, il va avoir, là, ça y est, il n'a même pas besoin de chercher quoi que ce soit, ça vient tout seul. Bon, nous, ça vient pas tout seul. Vous êtes combien dans l'équipe de campagne, à peu près ? L'équipe de campagne sur les parrainages ou sur les groupes Sur les parrainages, vous êtes combien ? Je sais pas, Jean-Marc. Doit être 4. 4. Bon, après, ça se joue sur les routes départementales. Ouais, voilà. C'est 4 au PC de commande. Voilà. 4 à tout centraliser, en direct, 24/24. Hein. Oui, parce que, en fait, c'est vrai qu'il a absolument raison d'insister sur le fait que ce truc est quand même une arnaque. C'est un truc soi-disant égalitaire, il faut avoir 500. Bon, ce n'est pas du tout les mêmes conditions. Donc, nous, pourquoi on parle des routes départementales ? C'est parce que, pour l'essentiel, on va voir les élus, les maires des petites communes qui sont les moins directement affiliées à un parti. Bon. Puisque les partis, les grands partis, ils ont leur grand, entre guillemets, ils ont leur candidat, ils ont les signatures, c'est gelé. Donc, tous les maires, en général des très grandes villes, etc., c'est mort. Donc c'est ça qui fait aussi ce travail de fourmi, de statuer les petites communes, et pas les petits maires, petite commune, voilà, c'est pour ces raisons-là. Et donc, c'est pas compliqué, hein, c'est canton par canton, la liste des mairies, enfin la liste des communes, les noms, prénoms, adresses, numéro de téléphone de la mairie, mais souvent du maire lui-même, parce que dans les petites communes, la mairie, elle n'est pas toujours ouverte. Le maire, en général, il fait autre chose de sa vie, c'est pas un professionnel de la politique. Donc on a aussi des choses à lui dire, on a aussi une discussion intéressante à avoir. C'est chronophage, c'est un bilan carbone très mauvais, mais c'est incontournable. Et la période des congés scolaires va faire des multiplications des équipes qui vont sur le terrain. Quoi. Okay. Voilà. Mais pour nous, c'est très important qu'on entende parler de notre candidature. C'est aussi pour ça qu'on fait les conférences de presse, parce que
mère ou la mère va voir, c'est important qu'elle sache qu'on existe et qu'on veut être candidat. Ah oui, Philippe, ah oui. Bon, déjà, ça gagne du temps pour la recherche des signatures. Parce que nous, on a... Non, la visibilité se rajoute à la visibilité. Ouais. C'est à plus de 35 000 communes, oui, il y en a un millier de moins quand même par rapport à il y a quelques années, hein, c'est diminué avec les concentrations. Là. Donc on a 35 000 et quelques élus, évidemment, on n'a pas les moyens de tous les voir. Et le maire, quand il parraine, il ne reçoit pas la liste des candidats. Hein, il est pas, donc en fait, si on n'existe pas médiatiquement, tous ceux qu'on ne voit pas, voilà, ils ne vont pas y penser à nous. Donc tout le problème qu'on a, c'est ça. C'est pour ça que c'est important l'existence, d'être dans les médias. C'est pas qu'on est en train de pleurer, qu'on voudrait notre place au chaud comme les autres, qu'on aimerait bien être copain avec l'apathie ou on s'en fout de ça. C'est que c'est quand même normal qu'à un moment donné, on apparaisse, il y a un courant politique qui existe. On est anticapitaliste, certes, ça ne plaît pas tout le monde, mais enfin voilà, on est un courant politique, on a des idées sur la société, on milite au quotidien, on est présent, contrairement même à d'autres candidats qui n'ont pas d'existence politique en dehors de la présidentielle, mais voilà. Et donc on trouve complètement légitime d'être là, ne serait-ce que pour informer les élus qu'il y a cette solution-là. Et c'est comme ça que ça marche. Hein. Et on sait qu'à chaque fois, c'est quand on a été médiatisé, justement dans la période juste avant, la limite qui a permis que ça nous facilite la tâche. Mais là, tout. Donc on compte là-dessus. Alors ouais, on invite les médias le plus souvent possible. Comme ça, si tu ne viens pas à la Gardère viendra à toi. Et on essaie de faire ça, quoi.